Chers collègues députés, chers journalistes, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Chers animateurs de la presse, je voudrais vous dire combien, en tant que président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, je suis heureux de me retrouver face à vous pour la première fois depuis l'installation de la 9e législature de notre Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau vous remercie pour la consistance de votre présence. Je nourris l'espoir que nos échanges de ce jour soient de très bonne qualité. Nous nous engageons de toute façon à vous rencontrer périodiquement, en moyenne une fois par session ordinaire, en dehors des situations extraordinaires. En vous invitant à la conférence de presse de ce jour, nous inaugurons cette activité, espérant qu'elle deviendra une tradition. Nous tâcherons chaque fois de procéder à un bilan et échanger avec vous au sujet de toutes les questions relatives aux activités parlementaires, avec un accent particulier sur les analyses et positions du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Au nombre des activités et dossiers connus au cours de la présente session, il nous plaît d'en aborder trois, à savoir les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires, le débat d'orientation budgétaire et puis la question du contrôle de l'action gouvernementale. Cette première session ordinaire de notre mandature a été marquée par la persistance des propos et comportements peu vertueux des députés de l'un des partis de l'opposition que notre peuple a bien voulu envoyer à l'Assemblée nationale. Notre peuple, en votant pour ce parti, espérait que ceux qu'il aura envoyés à l'Assemblée nationale viendraient s'occuper de ses intérêts concrets au quotidien et non de leur autopromotion individuelle à travers des postures de pure fantaisie. À quoi mène l'attitude de ceux qui ne se mettent pas à jour par rapport à leur connaissance des tests parfois en vigueur depuis plusieurs décennies, et qui s'introduisent dans les débats avec tonitruance et des propos inutilement excessifs? À quoi cela conduit quand une force politique adopte une attitude d'obstruction afin d'obtenir de la Cour constitutionnelle plus de droits qu'elle ne mérite et retardant du coup le démarrage des activités pour lesquelles le Parlement existe? Comment qualifie-t-on l'attitude de celui qui profite du principe d'avoir des droits pour exagérer, pour en demander plus qu'il ne le faut, quitte à compromettre le fonctionnement de l'institution et en même temps trompe l'opinion publique en jouant aux victimes? Il s'agit d'un abus. Abus de droit, abus de prérogative, abus de fonction. Ce n'est pas acceptable au regard des principes élémentaires de la bonne gouvernance. Nous sommes effectivement en début de législature et c'est normal que nous observions un peu ce que nous sommes en train de voir actuellement avec une certaine cacophonie dans les prises de parole et les prises de position. De la 8e législature à la 9e, vous avez bien observé que l'Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 75% avec aujourd'hui la présence du parti de l'opposition, les démocrates. La posture de ce parti-là aujourd'hui, telle que le président du groupe parlementaire l'a observée, est bien comme une posture de blocage. Nous n'avons pas, en tant que parti de la majorité présidentielle, à répondre forcément à tout ce qui se dit dans l'opinion, mais nous avons à agir et à montrer que nous choisissons le chemin du développement et que nous voulons effectivement aller de l'avant. Et donc, dans tout ce qui se dit et dans tout ce qui se fait, l'inflexibilité d'un parti ou d'un groupe parlementaire par rapport
aux différents débats que nous sommes en train de faire. Pour l'instant, sur des dossiers précis, notamment le fonctionnement des commissions, vous avez vu que le président de l'Assemblée nationale a bien notifié que les commissions peuvent tourner sans les secrétaires, quitte à ce que le processus se poursuive. Et donc, aujourd'hui, tout au moins par rapport au fonctionnement des commissions, il n'y a pas de blocage. Les commissions fonctionnent et les dossiers qui sont affectés sont en train d'être traités. C'est vrai que nous avons perdu beaucoup de temps dans la mise en place de ces commissions, dans les différentes désignations où les positions sont parfois tranchées, mais le groupe parlementaire UP Le Renouveau ne baisse pas les bras pour que nous avancions. En début de législature, il y a toujours une certaine hésitation. Et c'est aussi pourquoi beaucoup de députés qui savent raison garder se taisent. Il ne s'agit pas de timidité. Il s'agit de l'attitude normale que des personnes qui ont la mesure de leurs responsabilités, de l'attitude qu'elles observent lorsqu'elles viennent nouvellement dans une maison. Vous voyez bien, chers collègues, chers amis, combien c'est désagréable de voir certains intervenir sans se mettre à niveau par rapport au texte en vigueur. C'est quand même très désagréable que les députés de l'Union progressiste, le Renouveau, ne s'adonnent pas à cela. C'est bien à leur actif. Et je pense que de ce point de vue, il ne s'agit donc pas de timidité, mais de la réserve nécessaire, le temps de prendre la mesure des choses, le temps parfois de se mettre à niveau des textes qui existent, parce que l'Assemblée fonctionne sur la base d'un certain nombre de textes qui sont connus. L'autre aspect que je voudrais aborder, c'est la tentation de dire que, bon, si vous voulez la paix, dites amen. Si on vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite, parce que nous voulons la paix. Un de vos collègues a voulu que nous allions dans ce sens en posant sa question. Donc, je lui ai dit ceci. L'Union progressiste, le Renouveau, pense que la paix dans un pays repose fondamentalement et d'abord sur le respect des règles. Sur le respect des règles, des lois en vigueur, des institutions. La paix repose d'abord sur la justice. Mais lorsque, de manière cavalière, certains amis prennent de la distance par rapport aux lois de la République, prennent de la distance par rapport à la courtoisie minimale la courtoisie minimale nécessaire dans la République pour un vivre ensemble harmonieux. Il faut les ramener à l'ordre. Et en les ramenant à l'ordre et en vous parlant, ce n'est pas pour nourrir la guerre. C'est pour que vous vous rendiez compte vous-même de ce que ce n'est quand même pas normal dans un pays que certains viennent à l'Assemblée et, un, ne connaissent pas les lois, prennent la parole sans connaître le règlement intérieur, prennent la parole sans savoir où est-ce qu'on est dans un débat, prennent la parole exactement comme on le fait autour d'une table de belote ou de... ou ailleurs, ou des hadji. Ou des hadji.